l'université de Neuchâtel en Suisse, mais les plus âgés d'entre vous me connaissent. Ils m'ont vu tout petit. Alors, voilà. Donc, comme vous savez, tous les 4 ans, il y a un événement important dans le grand public, c'est le mondial de foot. Et la même année, un mois après, il y a le congrès international des mathématiciens, et avec la remise des médailles Fields, et dont on parle beaucoup moins dans la presse et les médias. Alors que si on fait un petit compte rapide, on voit que dans le monde, il y a plus de mathématiciens actifs que de joueurs de foot professionnels. Donc, premier commentaire. Donc, mon point de départ, c'est cette dépêche de l'agence France Presse qui est tombée jeudi 19 août, et qui avait raison de tomber, puisqu'il y a 2 Français qui ont été médaillés Fields cette année, même si l'un est un Français, disons, de fraîche date, puisqu'il a été naturalisé en 2010. Mais bon, le président Sarkozy était fier à juste titre de ce jeune Français. Dans l'exposé, je vais surtout m'intéresser aux aspects sociologiques de derrière, ce que j'aurais sans doute pas fait il y a 20 ans, si j'avais fait le même exposé, parce que ce qui m'a l'air important, c'est de voir comment fonctionne la communauté mathématique internationale, et peut-être dysfonctionne, on verra. Donc, je vais essayer de définir quelques termes qui apparaissent dans cette dépêche AFP. Et d'abord, l'acteur principal qui se cache là-derrière, l'Union mathématique internationale. Donc c'est effectivement une organisation scientifique internationale, non gouvernementale, à but non lucratif. Et elle a, disons, son but essentiel, c'est de promouvoir au niveau international les différents aspects des mathématiques, au niveau recherche, au niveau enseignement, pédagogie et au niveau culturel. Bon, c'est un fait que la principale activité, en tout cas la plus visible, de l'Union mathématique internationale, c'est l'organisation des congrès des ICN qui ont eu tous les 4 ans, je reviens dans quelques instants. Donc je signalerai simplement que le président actuel de l'Union mathématique internationale est un célèbre combinatoricien hongrois, László Lovász, mais que le prochain président sera une compatriote, c'est Ingrid Dobzsy, qui est donc professeure à l'Université de Princeton aux États-Unis, et a remarqué que c'est la première fois qu'une femme présidera l'Union mathématique internationale. Alors, le Congrès international des mathématiciens, c'est en mathématiques la plus grande conférence qui existe, puisque c'est la seule conférence qui est capable de rassembler 3000 personnes. Donc, actuellement, le congrès qui se tient actuellement à Hyderabad, c'est dans le sud de l'Inde. C'est là. Alors, ouais, donc, c'est à peu près à la même latitude que Bombay. Donc le congrès actuel réunit 2900 participants. Et donc voilà un petit historique des congrès internationaux. Ah, ça ne tient pas sur tout l'écran, désolé. On va apparaître un peu plus. Donc vous voyez, ça a commencé en 1897. Et en gros, ça s'est tenu tous les 4 ans, avec 2 interruptions dues aux conflits mondiaux. Il y a un trou de 1912 à 1920, et puis de 1936 à 50. Et vous voyez qu'au début, c'était très européen. Donc la première fois que ça a quitté l'Europe, c'était pour Toronto en 1924. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a commencé à s'internationaliser, mais tout en restant quand même cantonné à l'Europe et à l'Amérique du Nord, hein, puisqu'on retrouve Cambridge aux États-Unis en 50, Vancouver au Canada en 74. Berkeley aux États-Unis en 86, et puis c'est allé en Asie pour la première fois à Kyoto en 1990, et puis on en trouve Pékin en 2002, Hyderabad cette année, et en 2014 ça se passe à Séoul en Corée du Sud. Donc, on peut aussi voir ce qui manque là-dedans. Donc il y a deux continents qui n'ont jamais été représentés, c'est l'Afrique et l'Amérique du Sud. Dis-moi. Pourquoi il y a de 78 à 83, donc ça fait 53 ans. Ah, alors là. On n'a pas eu en 82. En 80, alors là, petit souvenir historique, en 82,
en Pologne, il y a la prise de pouvoir du président Jaruzelski. Et à cause de ça, le congrès de Varsovie a été reporté d'un an. Voilà. Donc c'est un petit souvenir pour les plus âgés d'entre vous. Voilà. Donc, et chaque congrès international est immortalisé par un volume de ce qu'on appelle en anglais des proceedings. Donc voici la moitié des proceedings du congrès de Zurich de 1994. À Madrid en 2006, il y avait trois volumes comme celui-là. Donc qu'est-ce que ça reprend? Ça reprend les textes des articles basés sur les conférences. Alors c'est clair que dans une carrière de mathématicien, être invité comme orateur à un ICM, c'est quelque chose d'extrêmement prestigieux, qui en gros vous donne l'accès à... Enfin, vous permet d'espérer, surtout si vous êtes orateur pionnier, ça vous permet d'espérer des offres des meilleures universités américaines. Donc, je vais quand même vous citer les orateurs belges à Hyderabad cette année. Donc, ben, je crois que ça vaut le coup de les citer. Donc, dans la section analyse, nous avons un prof de la carrière qui s'appelle Arnaud Kahulaz. Analyse fonctionnelle, Stéphane Vars, donc jeune expert des algèbres opérateurs, également à la KUL. En théorie, contrôle et optimisation, Yuri Nesterov, de l'Université catholique de Louvain, qui a dit c'est un nom bien de chez nous. Bon, ben ça traduit l'internationalisation du milieu des mathématiques. Donc Nesterov est en Belgique depuis 1994. Et puis, si on inclut les Belges de la diaspora, ben, il faut quand même citer Fred Delbaum, qui est maintenant prof, enfin, qui vient de prendre sa retraite de l'ETH Zurich en Suisse, mais qui avant ça était prof à la vraie Université de Brüssel. Et donc, voilà pour les ICM. Donc c'est à la séance inaugurale, le premier jour, que sont attribuées les médailles Fields, sur lesquelles je vais revenir, mais également d'autres prix scientifiques. Le prix Nevanlinna qui récompense des travaux en informatique théorique, le prix Gauss qui récompense des travaux en mathématiques appliquées, et la médaille Chern. Alors la médaille Chern, elle a été attribuée pour la première fois cette année, et elle récompense, disons, l'ensemble d'une carrière. Donc je vais me concentrer sur la médaille Fields, dont on dit souvent que c'est la plus prestigieuse récompense que puisse espérer un mathématicien. Bon, on va voir que c'est vrai et c'est faux. Parce que le premier point qu'il faut signaler, c'est qu'elle s'adresse à des gens jeunes, à des gens de moins de 40 ans. Et on dit encore aujourd'hui qu'on l'appelle le prix Nobel de mathématiques. Alors au niveau financier, c'est pas vrai du tout, la comparaison ne tient pas. Puisque le chèque qui va avec la médaille est de 15 000 dollars canadiens, donc ça fait à peu près 10 000 euros. Donc il y a un prix mathématique qui ressemble beaucoup plus au prix Nobel, c'est le prix Abel, qui est créé depuis 2003. Et nous avons un compatriote qui l'a eu en 2008, c'est Jacques Titz. Et donc le prix Abel, dans sa structure, ressemble beaucoup plus au prix Nobel. Donc, vous avez là la veine et le revers de la médaille Fields. Donc, sur la veine, vous avez un profil d'Archimède et une citation latine qui se traduit à peu près en s'élever au-dessus de soi-même, comprendre le monde. Et au revers, vous avez une autre citation latine qui vous dit que les mathématiciens du monde entier récompensent des écrits remarquables. Et sur la tranche, vous avez le nom du lauréat. Alors, la médaille Fields doit son nom au mathématicien canadien Charles Fields, qui était président et organisateur principal du Congrès de Toronto en 1924, et c'est là qu'il a proposé la création d'une médaille récompensant donc de jeunes mathématiciens. Donc si je vais traduire la lettre qu'il avait lue comme adresse au Congrès de l'époque, hein, donc il est proposé de fonder deux médailles d'or, donc à l'époque c'était deux, pour des accomplissements remarquables en mathématiques. Il sera compris cependant qu'en décernant ces récompenses, c'est en reconnaissance de travail déjà fait, mais c'est en même temps avec l'intention d'encourager des développements ultérieurs de la part des récipiendaires
Et c'est aussi comme un stimulus pour des efforts renouvelés de la part des autres. Donc, c'est une façon de remarquer que dans cette lettre, l'âge de 40 ans n'est pas mentionné. Il a été officialisé suite à un usage qui s'est établi petit à petit. Mais disons, ce qui est clair dans cette lettre, c'est l'idée qu'on récompense des travaux déjà faits et on encourage les gens à faire encore mieux. D'où l'idée que ça doit être des gens jeunes. Et c'est comme ça qu'on est petit à petit arrivé à la barre des 40 ans. Fields n'a pas eu, puisqu'il est mort en 1932, n'a pas eu l'occasion de voir les premières médailles attribuées. Elles ont été à Oslo en 1936. Et en 1966, on a décidé de passer de 2 à 4 lauréats au maximum. Ce qui, bon, ça se tenait puisque ça fait à peu près un pas. Donc si on regarde un petit palmarès des nombres de médailles en fonction des pays, alors qu'on voit que les États-Unis sont champions avec 13, la France les suit avec 11, devant la Russie, enfin l'ex-URSS, maintenant la Russie avec 9, le Royaume-Uni 5, le Japon 3. Alors je vais être un peu provocant, la Belgique a une place complètement disproportionnée. Puisque si on pense en termes de communauté, l'importance du mérite de la communauté mathématique, on peut franchement se demander pourquoi la Belgique, par exemple, est devant la main. Et je pense que les mathématiciens professionnels qui sont ici seraient capables de citer certains mathématiciens allemands qui n'ont pas eu la médaille et qui étaient certainement du niveau pour l'avoir. Donc, ceci pour dire aussi que l'attribution d'un médaille Fields, c'est en partie une affaire de chance, et c'est aussi en partie une affaire de mode. À un moment T donné, il y a des sujets qui sont plus à la mode que d'autres. Et alors, des gens qui contribuent à ce sujet ont plus de chances d'avoir la médaille. Enfin bon, parlons un petit peu des deux médailles belges. Donc, par ordre chronologique, le premier, c'est Pierre Deligne, qui est né en 1944, qui a eu la médaille en 1978, qui est maintenant professeur à l'Institut of Advanced Study à Princeton. Vous le voyez là en conversation avec un petit dame. C'est moi. Et l'autre, c'est Jean Bourguin, qui est né en 1954, qui a eu la médaille à Zurich en 1994, et qui est également professeur à l'Institut of Advanced Study à Princeton. Bon, les questions jusqu'à présent? Alors, on va arriver au titre d'exposé. Donc, les médailles Fields de 2010, donc il y a 4 médailles qui ont été attribuées. Et avant d'entrer dans le vif du sujet et vraiment de parler de maths, on peut un petit peu réfléchir. Comment dire? Si on regarde comment fonctionnent les mathématiques, où les mathématiciens trouvent leurs problèmes. Bon, et bien sûr, la source, disons, historique, les problèmes qui viennent soit de la physique, physique au sens large, ça peut être l'art de l'ingénieur. Donc nous verrons que un des médaillés de cette année, Smirnov, prend ses problèmes, disons, dans une partie de la physique qui s'appelle la physique statistique. Un autre des médaillés de cette année, Cédric Milani, prend ses problèmes dans, on peut dire, l'art de l'ingénieur, ça s'appelle la théorie du transport optimal. Donc ça, c'est une source de problème. L'autre source de problème, c'est la dynamique interne de la discipline. C'est-à-dire, on résout des problèmes qui ont été posés par d'autres mathématiciens et qui sont intéressants parce qu'ils sont là. Alors, il faut un petit peu se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un grand problème ? Alors on arrive assez vite à la chose suivante, c'est qu'un grand problème, c'est un problème qui a été posé par un grand mathématicien. Et un grand mathématicien, c'est quelqu'un qui a résolu un grand problème. Réfléchissez à ça. Alors, il se fait, moi je vais prendre par ordre alphabétique, mais donc il se fait que les deux premiers, Lindner Strauss et Endo, ont vraiment travaillé sur la dynamique interne de la discipline, et les deux derniers, Smirnov et Milani, ont plutôt travaillé sur des problèmes d'origine externe. Alors, le premier, donc, Elon Lindenstrauss, est israélien, donc né en 1970, fait une thèse à la Hebrew University à Jérusalem,
et professeur à la fois à la Hebrew University et à Princeton, qui est une des universités américaines qui a le chic pour attirer les médailles. A remarqué que c'est le premier Israélien, historiquement, à avoir la médaille. Et donc la citation pour la médaille, c'est donc pour ses résultats sur la rigidité en théorie de la mesure, enfin, la rigidité de mesure en théorie ergodique et les applications à la théorie des nombres. Alors je vais surtout me consacrer aux applications en théorie des nombres parce que je pense que ça c'est racontable. Bon, donc là, on va faire des maths. Hein. Alors en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit d'une branche de théorie des nombres qui s'appelle l'approximation diophantienne. Donc de quoi il s'agit? Il s'agit de la façon d'approcher les nombres réels, spécialement des nombres irrationnels, par des rationnels. Alors bon, bien entendu, dès qu'on fait une construction des nombres réels, ben, on apprend à nos étudiants que tout nombre rationnel peut être approché aussi bien qu'on veut, par tout nombre réel peut être approché par des rationnels. Et il se fait que, indépendamment des médics, j'ai pris le même exemple que lui, sur R pi, ben la constante pi, vous pouvez l'approcher, simplement, vous prenez le développement décimal et vous tronquez. Ah, donc ça vous approchez par 3, puis par 31 dixièmes, puis par 314 centièmes, etc. Et si vous regardez la énième approximation et que vous, vous estimez l'erreur que vous faites, ben, manifestement, l'erreur que vous faites sera plus petite que 1 sur 10 puissance 10. Voilà, il y a une approximation. Mais si vous vous souvenez de ce qu'on vous a appris à l'école primaire, hein, que Dérédic nous a rappelé ce matin, il y a aussi l'approximation 22 septième. Et l'approximation 22 septième, finalement, est une fraction relativement simple au sens du nombre de chiffres à écrire, et qui donne beaucoup mieux, puisqu'elle approche pi à un centième près. Et puis, il y en a une autre qui est encore meilleure, c'est 333/106e, qui approche pi à un dixième près. Et il y a une autre, une troisième, qui est l'économie d'Archimède, et qui est vraiment extraordinaire, c'est 355/113e, qui approche pi à un millionième près. La première fois que j'ai vu ça, j'étais en terminale, enfin en réto, comme on dit en Belgique, et j'avais un vieux prof qui avait repris sa retraite cette année-là, en 76. Et c'était mon premier contact avec la théorie des fractions continues. Parce que ces approximations-là, il y a une théorie qui s'appelle les fractions complètes. Tout nombre réel peut se développer en fractions continues. Et ça, c'est ce qu'on appelle les premières réduites de pi. Et ce qu'on montre dans la théorie, c'est que les réduites fournissent les meilleures approximations rationnelles sur un nombre réel. Et ce que disait mon prof, c'est que dans les années 50, les fractions continues étaient au programme des lycées. Donc, ça aussi, il faut réfléchir. Donc, tu confirmes, Monique? Oui, voilà, donc, bon. Alors, historiquement, le premier mathématicien qui soit intéressé à la qualité de l'approximation d'un irrationnel par un rationnel, c'était Dirichlet. Donc, dans la première moitié du 19e siècle. Donc il prend un irrationnel alpha, il essaie de l'approcher par une fraction, un rationnel P sur Q, et il propose d'estimer l'erreur comme une fonction de 1 sur Q. Et son argument pour faire ça, c'est que le dénominateur de la fraction Q mesure d'une certaine façon la complexité de la fraction. Puisque, en gros, ça vous dit le nombre de chiffres que vous devez écrire. Alors, si je reprends des exemples de la page précédente, ici, vous avez, par exemple, la quatrième fraction, ben, le dénominateur c'est 1000, vous devez écrire 4 chiffres, et vous avez une approximation qui est seulement bonne à un millième près, alors qu'avec 355/113, vous devez écrire une fraction au dénominateur à 3 chiffres, mais vous avez une fraction qui est bonne à un millionième près. Donc, ceci pour dire que, au sens de Dirichlet, cette approximation 355/113 est bien meilleure que l'approximation 3141/1000. Et donc, bon, première observation qu'on a déjà faite, c'est que si vous regardez la suite des approximations décimales, vous trouvez une infinité de fractions P sur Q, où
L'écart, c'est-à-dire l'erreur absolue que vous faites, est bordée par un surcut. Et Dirichlet démontre, et c'est vraiment le premier théorème et théorème de base en approximation différentielle, c'est qu'on fait beaucoup mieux. Beaucoup mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on donne un nombre alpha, vous trouvez une infinité de fractions P sur Q, enfin une infinité d'entiers P et Q, telles que alpha moins P sur Q est plus petit que 1 sur Q carré. Donc ce que dit Dirichlet, c'est qu'on peut remplacer 1 sur Q par 1 sur Q carré qui est beaucoup plus petit. Et bon, ce que j'ai appris en 30 ans de carrière, c'est que dans un exposé, il faut toujours donner au moins une démonstration. Alors voilà la démonstration de Dirichlet. Bon, d'abord, on commence par dire que c'est évident pour les nombres rationnels, parce qu'on prend pour P un multiple du numérateur, pour Q un multiple du dénominateur. Donc ce qui est intéressant, c'est le cas des nombres irrationnels. Et alors l'idée est la suivante, c'est que... Bon, d'abord un petit peu de notation. Je note crochet de X la partie entière du réel X. De sorte que si je fais la différence entre x et sa partie entière, bien, je suis sûr de tomber dans l'intervalle 0,1. Et l'idée de Dirichlet, c'est de prendre un entier k et de partager cet intervalle en k boîtes. Donc d'abord, vous avez de 0,1 sur k, de 1 sur k à 2 sur k, puis de 2 sur k à 3 sur k, etc. Et puis, Dirichlet forme k plus 1 nombre réel. Il part de 0. Et puis il prend alpha moins sa partie entière, 2 alpha moins sa partie entière, 3 alpha moins sa partie entière, jusqu'à k alpha moins sa partie entière. Et il observe que ces nombres sont 2 à 2 distincts. Pourquoi? Justement parce qu'alpha est irrationnel. Si vous aviez une coïncidence entre deux de ces nombres, en mettant les alpha à gauche et les parties entières à droite, vous montreriez qu'alpha est rationnel. Donc vous avez k plus un nombre distinct qui tombe dans k boîte. Et le principe des tiroirs, donc il faut savoir qu'il a été inventé par Dirichlet pour démontrer ce théorème-là. Le principe des tiroirs, on dit qu'il y a un des tiroirs qui contient au moins deux réels. Donc ça veut dire que vous avez dans cette liste, vous avez deux nombres réels qui sont à distance plus petite qu'un sur k, hein, qui est la largeur de chacune de mes boîtes. Et c'est ça qu'on va écrire. Donc on peut trouver dans la suite deux entiers réels, tels que les nombres réels correspondants sont espacés de moins d'un sur k. Bon, alors on réécrit un petit peu, hein, on groupe les alphas d'un côté et les parties entières de l'autre, et c'est ça qui nous donne les nombres, les approximations, enfin les nombres P et Q qu'on cherche. Hein, puisque si j'appelle P la différence des parties entières et Q la différence est moins M, je divise le tout, le tout, pardon, on va parler suisse, si je divise le tout par Q, j'aurai que alpha moins la fraction P sur Q, c'est inférieur à 1 sur K fois Q, mais comme Q est plus petit que K, c'est plus petit qu'un sur Q, 1 sur Q carré. Donc, c'est une preuve. Alors, si on reprend les six formes de jubilation de Dedekind ce matin, je ne sais pas dans quelle forme de jubilation ça tombe. Je trouve que c'est assez admirable comme démonstration par la simplicité. En même temps, il faut savoir que ça fait hurler les informaticiens parce que c'est pas constructif, c'est pas explicite. Bon. Bref. Mais donc c'était vraiment le tout premier, enfin, c'est vraiment ce résultat-là qui a lancé la théorie de l'approximation diophantienne. Donc on s'est demandé si on pouvait faire mieux que 1 sur Q carré. Et puis on s'est rendu compte qu'en général on ne peut pas, mais pour certains nombres réels on peut. Et donc on a toute une hiérarchie de nombres réels, de nombres irrationnels exactement. Et ça nous mène au mathématicien anglais Littlewood, donc qui était le collaborateur de Hardy, et un des deux découvreurs de mathématiciens indiens Ramanujan. Et vers 1930, il s'est posé une question sur l'approximation simultanée de deux nombres réels. Donc au lieu d'en prendre un nombre alpha, il prend deux nombres réels, alpha et bêta, et il essaie de les approcher par des rationnels, mais de même dénominateur. C'est-à-dire que, donc il essaie d'approcher alpha par un P sur Q, et bêta, par un R sur Q, avec le même Q. Et il dit, l'erreur qu'on commet,
il doit y avoir moyen de toujours trouver deux fractions telles que le produit des erreurs qu'on commet est de l'ordre de 1 sur Q cube. Et je vous rappelle que Dirichlet donnait 1 sur Q carré. Et là, il dit, en combinant la mauvaise, s'il y en a un qui est mal approché, mais l'autre sera bien approché, de sorte qu'on doit pouvoir faire epsilon sur Q cube. Cette conjecture de 1930 est toujours ouverte. Pour vous dire qu'on est peu de choses, un des cas qu'on ne sait pas faire, c'est le cas où alpha c'est racine de 2 et bêta c'est racine de 3. Alors, ceux qui connaissent un peu la théorie savent que racine de 2 et racine de 3, c'est ce qu'on appelle des irrationnels mal approchables, et c'est ça la raison derrière. Mais en fait, une des raisons pour lesquelles on a donné un médaille à Lindenstrauss, c'est pour les progrès sur cette conjecture. Donc Lindenstrauss n'a pas résolu cette conjecture. Mais il a quand même, il a donné de nouvelles idées qui ont permis de faire pas mal progresser les choses. Parce que vous voyez, quand vous avez une conjecture comme ça, l'idée que vous pouvez avoir, c'est, après tout, regardons l'ensemble exceptionnel, c'est-à-dire regardons l'ensemble des couples alpha-bêta pour lesquels la conjecture serait fausse. Et elle serait montrée que cet ensemble est vide. Bon, on fait des maths. Et si on n'arrive pas à montrer que cet ensemble est vide, ce qu'on peut faire, c'est essayer de montrer que cet ensemble est très petit. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire. En collaboration avec Manfred Heinziger, de l'État-Unis, et Anatoly Katok, qui est à Penn State. Donc ils ont réussi à montrer que l'ensemble exceptionnel est très petit au sens de la dimension, c'est-à-dire que c'est un ensemble de dimension 0, c'est même un peu plus précis. C'est une réunion dénombrable de compacts du plan qui sont tous de dimension 0. Mais ce qui est intéressant dans l'approche, c'est qu'ils n'ont pas traité le problème via la théorie des nombres. Et ça, c'est le principal mérite de Lindenstrauss, c'est d'avoir basculé le problème dans une autre branche des mathématiques, qui s'appelle la théorie ergodique, la théorie des systèmes dynamiques. Alors, bon, et c'est là que expliquer réellement ce qu'ils ont fait, enfin ce que Lindenstrauss a fait, ça devient compliqué. Mais on peut quand même essayer d'expliquer pourquoi il y a des idées dynamiques là derrière. Et voilà, dans un instant, je vous montrerai une petite simulation qui, j'espère, montrera quelques petites choses à ce sujet. Mais donc, ce qui se passe, c'est que démontrer le théorème de Dirichlet, ça peut se faire en regardant un certain système dynamique, à savoir, on part d'un irrationnel alpha et on regarde les multiples de alpha modulo 1. Et ça revient à y penser comme des angles que vous compteriez autour. Il faut imaginer, d'ailleurs dans un instant on verra un dessin sur le cercle. Donc on regarde les multiples de alpha, mais vus comme des angles sur le cercle. Et alors ce qui se passe, c'est que certains de ces multiples doivent passer très près de zéro. Et on essaie de déterminer à quel rythme il se rapproche de zéro. Et de même, la conjecture d'Littlewood, qui est à deux variables, puisqu'elle concerne des paires de réels, on peut la lire sur le tore, le produit de deux cercles, et à nouveau, elle a une interprétation dynamique. Alors là, je vais essayer de me débrouiller. Alors, on va quitter ça, ouvrir. Voilà, ouvrir le PowerPoint que m'a gentiment réalisé mon épouse. Alors, comment est-ce que... Pour lancer le démarrage de... Voilà, c'est là. Là, ah. Ah, voilà. Ah, voilà le cercle. Et avec donc l'angle nul qui est là, et je vais marquer en couleur un petit voisinage qui est donné par ce petit arc de cercle, et puis je vais prendre, on va regarder les points sur le cercle, on va compter combien parmi ces points tombent dans l'arc rouge. Alors voilà notre point de départ, donc c'est l'angle alpha, ça se prend en route tout seul. Donc en fait alpha vaut un radian, donc vous avez deux radians, trois radians, quatre radians, cinq radians, et six radians, celui-là tombe, a le bon goût de tomber dans ce petit intervalle rouge.
7, 8, 9, 10, 11. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas sur l'axe vertical. 12, 13, loupé de peu, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, bon, voilà. Donc là, en 19 coups, on a 2 points, donc on est allé jusqu'à 25, 21, 22, 23, 24 et 25. Bon. Donc, mais ce qui est important, c'est de voir, disons, si on continuait, ben, on finirait par avoir des points partout. Mais ce qui est important pour le théorème de Dirichlet, c'est de, dans les relations dynamiques, c'est de voir à quel rythme il tombe dans, disons, dans un petit intervalle de l'angle nu. Et de même, si on regarde le. Voilà. Si on regarde le mettant en colère à deux dimensions, donc ici, on a regardé quelques itérés en partant d'un couple alpha bêta qui est justement un des couples mauvais, enfin, pour lequel on ne sait pas si c'est vrai. C'est racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Et donc, ici, alors, François, tu te souviens combien de points, 100? Ah, ben oui, c'est écrit au-dessus, 100. le nombre de points est écrit au-dessus. Donc ça, c'est les 100 premiers itérés. Sur le carré 0,1 fois 0,1, les 200 premiers, les 300 premiers. Et oui, ce qui nous intéresse, c'est les itérés qui tombent tout près de 0. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais au début, c'est très mauvais. Au début, voilà. Donc, avec 100 points, on n'en a aucun qui tombe près de 0, avec 200 non plus. Avec 300, on a un premier. Ce point, il faut imaginer qu'on est sur un tore. Hein, donc le côté gauche se recolle sur le côté droit, le côté du haut se recolle sur le côté du bas. Donc ce point-là est près de 0. Et puis après ça, ben, ça commence à aller mieux. Mais enfin, pour 400, on n'en a jamais que 2. Et puis ça se remplit. Voilà pour 1000 points. Voilà pour 2000 points. Et je crois que c'est tout. Voilà. Ah non, on a aussi 5000. Et on a aussi. Ah oui, donc. Ok. Ah oui, mais il prend un petit temps. Voilà, 10 000 points. Donc, bon. Donc effectivement, comme on dit, les orbites sont denses. C'est-à-dire qu'à la limite, il y a des points partout. Mais donc là, on est dans un problème plus fin qui concerne vraiment à dire comment est-ce que les orbites se répartissent à l'intérieur du tore. Donc ça, c'est vraiment le sujet de réflexion de l'endimension. Alors, voilà donc le premier français, Ngoc Bà Châu, donc d'origine vietnamienne, et en 72, il a fait la thèse à l'université de Paris Sud, donc Orsay, en 97, et qui a été un professeur à la fois à Paris Sud et à Chicago. Petit commentaire de nature politique et qui n'engage que moi. Alors, c'est certainement quelqu'un de très fort et du niveau d'une médaille Fields, mais. Le fait qu'il soit d'origine vietnamienne, c'est-à-dire un pays en voie de développement, et que le congrès actuel ait lieu en Inde, à savoir un pays émergent, vraisemblablement joue un rôle dans l'attribution de la médaille. Disons qu'il y a un côté politiquement correct au fait d'attribuer en Inde une médaille à un Vietnamien. Bon. Alors, donc, la citation, pour sa part, du lettre fondamentale de la théorie des formes automorphes,
à travers l'introduction de nouvelles méthodes d'origine algébrique et géométrique. Alors, ça c'est probablement celui où je vais avoir le plus de mal à expliquer ce qu'il a fait. Parce qu'il a vraiment eu la médaille pour un énoncé qui est le suivant. Bon. Donc là, la preuve de cet énoncé fait 170 pages et on estime à 50 le nombre de gens au monde qui sont capables de lire ces 170 pages. Donc, bon, moi-même, comme j'ai un petit peu étudié dans ma jeunesse, dans les années 80, j'ai un petit peu étudié le programme de Langlands, donc je vois plus ou moins de quoi il s'agit, mais enfin, j'aurais bien du mal à vous expliquer les termes, spécialement ce que c'est qu'une donnée endoscopique. Je pense qu'il faudrait une quinzaine d'heures pour vous expliquer ça. Bon, alors, de quoi il s'agit? Donc il s'agit d'un programme essentiellement visionnaire qui a été mis en place par le mathématicien canadien Robert Langlands en 1936. Et en 1967, il propose une série de conjectures, donc des résultats qu'on croit vrais mais qu'on ne sait pas démontrer, et qui ont pour effet d'unifier, je rappelle à quel point l'unification est importante en mathématiques, d'unifier certaines parties de la théorie des nombres, certaines parties de l'analyse et certaines parties de la géométrie. Et en fait, dans un texte en 2007, en Pour la science, disons que Langlands est à la fois lucide et modeste, il fait référence à la preuve du grand théorème de Fermat par Andrew Wiles en 1994. Donc le grand théorème de Fermat, c'est xn plus ym égale zn avec n au moins 3, et démontrer qu'il n'y a pas de solution entière. Petite parenthèse à l'usage des enseignants. Je remarque que jusqu'en 1995, les étudiants que j'avais du lycée avaient entendu parler du grand théorème de Fermat comme problème ouvert. Et maintenant, ils savent plus ce que c'est. Maintenant qu'on considère qu'il est démontré, on ne parle plus du grand théorème de Fermat. Et je crois que c'est une erreur. Fin de la parenthèse. Donc, il faut savoir que la preuve de Wiles du grand théorème de Fermat s'insère dans le programme de Langlands. C'est-à-dire que c'est en démontrant que certaines des conjectures de Langlands, que Wiles, comme corollaire, a vu tomber le grand théorème de Fermat. C'est certainement pas comme une attaque directe. Et voilà, comme dit Langlands, cette prouesse de la théorie du nombre n'a pas surgi de nulle part, elle n'est pas un point final. Elle s'inscrit dans la continuité de Galois, Gauss au 19e, et puis Artin, Hilbert, André Weil, Grothendieck au 20e siècle. Et donc effectivement, il dit une part substantielle de ses recherches en théorie des nombres s'est déroulée sous l'impulsion d'un tissu de conjectures dont j'avais formulé certaines dans une longue lettre à André Weil en 67. Et ces conjectures, les unes précises, les autres floues, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le programme ou la correspondance de Langlands. Et comme je disais, ça dresse des ponts entre la théorie des nombres et d'autres. La théorie des nombres, bon, l'arithmétique, c'est quelque chose dont on pourrait croire que c'est fondamentalement discret. Mais ce que dit Langlands, c'est que c'est non pas du tout, vous parlez d'arithmétique, mais c'est comme si vous parliez de géométrie, c'est comme si vous parliez d'analyse. Le programme de Langlands, s'il était vrai, impliquerait d'autres conjectures célèbres en mathématiques, en particulier l'hypothèse de Riemann. Donc, bon, comme dit Langlands, mais ça a été fructueux, à mesure où plusieurs résultats importants ont été démontrés, mais l'exploration et la démonstration de cette correspondance devraient être achevées. Donc, tout ce que je peux dire sur les travaux de Ngo, parce que le tout petit peu que j'en ai compris, c'est que Langlands avait rencontré, en 67, certaines sommes finies, compliquées, qui avaient l'air d'être égales, mais sans qu'ils puissent le démontrer. Et apparemment, il avait l'impression que ça se ramenait à un problème de combinatoire, et il avait mis un étudiant de thèse là-dessus, qui n'a pas su le faire. Alors il a mis un deuxième étudiant de thèse, qui n'a pas su le faire. Alors il a réfléchi lui-même, il n'a pas su le faire. Et c'est ça qui est devenu justement le lettre fondamental. C'est-à-dire que les gens ont pris petit à petit conscience du fait qu'il y avait vraiment quelque chose qu'on voulait utiliser,
Donc, alors que ce n'était pas démontré, vous voyez, on a déjà baptisé Eden, comme si ça avait été démontré. Et certains mathématiciens ont même commis un péché plus important que ça. Ils ont écrit des articles qui ont été publiés où ils supposaient le lemme fondamental vrai. Comme certains supposent l'hypothèse de Riemann vraie. Donc, imaginez qu'on ait trouvé un contre-exemple. Ça veut dire qu'il y a une série d'articles qui passent à la trappe. Mais, Dieu merci, Engo est arrivé et a démontré le lemme fondamental. Donc, ces articles, finalement, tiennent la route. Ouf. Mais, et la façon dont. Le tout petit peu que j'ai compris, c'est qu'en fait, il est allé chercher des idées qui viennent de la physique mathématique. Donc, certains objets, disons de nature géométrique, qui ont été introduits par le mathématicien britannique Nigel Hitchin, mais dont le but était de comprendre les problèmes venus de la physique math. Et donc, à l'origine, c'était de la géométrie différentielle. Il a traduit ça en géométrie algébrique et en géométrie arithmétique, et il a pu résoudre il a pu démontrer le lemme fondamental. Mais donc ce qui est important, c'est que vraiment, il a introduit une nouvelle compréhension. C'est-à-dire que maintenant, on a pu trouver une structure géométrique qui sous-tend l'énoncé du lemme fondamental, et ça donne l'impression qu'on a beaucoup plus compris et qu'on pourra faire d'autres progrès dans la même direction en utilisant ces méthodes-là. Une question ? Alors. Le troisième détaillé, c'est Stas Smirnov, donc double nationalité russe et suédoise, mais d'origine, la première c'est russe, qui a fait une thèse aux États-Unis, à Caltech, et qui est professeur à l'Université de Genève. Et puis bon, ben, disons qu'en tant que membre de la communauté mathématique suisse, ben, c'est évidemment pas indifférent d'avoir une médaille Fields basée en Suisse. Et donc la citation, pour la démonstration de l'invariance conforme de la percolation et du modèle de Dising planaire en physique statistique. Alors, il y a des choses explicables là-dedans. Et comme je vous disais, c'est un mathématicien théorique, mais qui, dans l'origine des problèmes, c'est des problèmes très très pratiques. Et il y a une théorie qui existe depuis, je crois, depuis 1954, qui s'appelle la théorie de la percolation, et qui vient vraiment d'un problème pratique qui est l'infiltration de l'eau, éventuellement de l'eau polluée, dans un sol fissuré. Donc, vous avez des fractures dans le sol qui permettent à l'eau de s'infiltrer, et vous voulez savoir si l'eau ira jusqu'à la nappe phréatique, donc si la nappe sera polluée ou pas. Donc, est-ce que l'eau va traverser ou pas? Et pour que l'eau traverse, mais il faut que les petites fissures dans le sol se connectent entre elles pour faire un canal de haut jusqu'en bas qui permettra à l'eau de traverser. Et il se fait que très très vite, les physiciens se sont emparés du problème et ont dit, mais ça c'est une question de physique statistique, parce que vous avez le comportement à grande échelle du système, à savoir est-ce que l'eau va traverser sur quelques dizaines de mètres, qui dépend de façon cruciale du comportement microscopique, à savoir, est-ce que vous avez suffisamment de petites fissures qui, mises bout à bout, vont permettre à l'eau de passer. Et très très vite, on se rend compte que, comme souvent en physique microscopique, le comportement à petite échelle est de nature aléatoire, à savoir, on va se demander si à un endroit précis, il y a une fissure, ben, on va dire, ok, avec une certaine probabilité, il y a une fissure, avec la probabilité 1 moins P, il n'y en a pas. Et bon, bien sûr, le mot percolation est lié à percolateur, hein, puisque dans un percolateur, vous avez l'eau qui doit traverser les grains de café, mais il se fait que c'est une théorie qui intervient dans une série de situations concrètes, où on a ce qu'on appelle des interfaces aléatoires entre deux milieux. On l'utilise par exemple pour modéliser la propagation des feux de forêt, hein, où vous avez un feu de forêt qui avance de façon aléatoire et vous voulez être capable de dire des choses, enfin, bon, vous savez un peu plus ou moins comment souffle le vent, vous êtes capable de dire des choses, enfin, de prédire plus ou moins où ça va s'arrêter. Et un autre problème, c'est les problèmes de corrosion, quand vous avez une surface qui rouille. Ben, disons qu'une molécule de fer peut rouiller ou ne pas rouiller, et on modélise ça
également par un problème de percolation. Alors, bon, dans cette généralité-là, c'est pas, il n'y a pas moyen de traiter ce problème-là. Donc, pour faire la modélisation, très très vite, on va supposer que le substrat, le sol en l'occurrence, a de grandes propriétés de symétrie. C'est-à-dire qu'on modélise le problème en convenant que les différents sites dans lesquels l'eau peut passer ou pas sont en fait les sommets d'un graphe. Et des exemples favoris, ben, c'est le réseau carré ou le réseau triangulaire. Et Smirnov, en fait, est un spécialiste du réseau triangulaire. Donc, l'idée, c'est de colorier un site, disons, en noir si l'eau passe, ou en blanc si l'eau ne passe pas. Et pour chaque site, on va lancer une pièce. Une pièce qui n'est pas nécessairement honnête. Donc pour chaque site, on fait une petite expérience aléatoire et on va dire, OK, avec probabilité P, on va colorier le site en noir, pour que l'eau est autorisée à passer, ou avec probabilité 1 moins P, on va colorier le site en blanc et l'eau ne passera pas. Donc, voilà typiquement le résultat d'une expérience de percolation. Bon, imaginez dans un premier temps que ce qui est bleu, en fait, est noir. Et si ça a été colorié en bleu, c'est pour vous montrer une des choses auxquelles les physiciens statisticiens s'intéressent, c'est ce qu'on appelle les clusters. Les clusters, c'est les composantes connexes maximales de sites noirs. C'est-à-dire que vous avez des sites noirs qui sont connectés entre eux. Vous pouvez aller d'un site à un voisin. Donc, par exemple, si je parle de là, eh bien, en restant dans le bleu, j'arriverai à aller là. Et ben, on va dire qu'un site est connecté à l'infini s'il appartient à un cluster qui va jusqu'à l'infini. Et à ce moment-là, on définit une certaine probabilité qui est fonction de la probabilité de base petit p, hein, qui est la probabilité que l'origine appartienne à un cluster infini. Donc dans le modèle de l'eau qui traverse, ça veut dire que l'eau est capable de traverser. Si vous envoyez de l'eau, si vous injectez de l'eau à l'origine, elle sera capable de traverser tout le substrat. Et les physiciens sont fascinés par ce type de modèle parce qu'ils adorent ce qu'ils appellent les transitions de phase. Donc, en fonction de P, ben on peut regarder, donc c'est clair que si la probabilité P est nulle ou très petite, ben ça veut dire qu'il y aura très peu de sites coloriés en noir, donc l'eau ne pourra pas aller très très loin. Et on peut se dire qu'il y aura peut-être un seuil critique à partir duquel il y aura des clusters infinis et sur lequel et que l'eau pourra traverser. Et en fait, c'est ça qui se passe. Donc il y a cette probabilité critique qui fait qu'en dessous, il n'y a aucun cluster infini, et donc l'eau ne peut pas traverser, et au-dessus, il y a des clusters infinis et l'eau peut traverser. Donc ces bonnes hypothèses, qui sont satisfaites par les réseaux triangulaires, carrés, hexagonaux, ben, cette probabilité critique, elle est strictement comprise entre 0 et 1. Et donc, comme je disais, si on est en dessous, il n'y aura aucun cluster infini. Si on est au-dessus, il y aura des clusters infinis. En fait, on démontre qu'en règle générale, il n'y en aura qu'un. Donc voilà deux exemples de percolation. Un régime sous-critique, et si vous regardez les taches noires, ben, vous voyez qu'elles sont toutes de petits diamètres. Et puis là, un régime sous-critique, où là, vous voyez, bon, ben, je pense qu'on peut s'amuser à traverser la dia de haut en bas ou de gauche à droite en restant dans des taches noires. Et quelque chose qui rubinait les physiciens, c'est de savoir, mais qu'est-ce qui se passe à la probabilité critique? Et c'est là qu'intervient Smirnov. Donc c'est vraiment un spécialiste du comportement à la probabilité critique. Et en fait, les physiciens avaient étudié ce genre de problème de percolation avec leur méthode à eux. C'est très intéressant de discuter avec les physiciens parce qu'ils font des maths, mais avec des outils qui sont pas toujours des outils considérés comme valables par les matheux. Et notre boulot, finalement, c'est de donner du sens à ce qu'ils font. Et donc, avec des outils venus de la théorie des champs,
ils avaient fait une série de conjectures dans les années 80, donc autour de 1982. Et puis, ils avaient mis le problème sur ordinateur, parce que pour ça aussi, ils sont très forts pour faire la simulation. Et ils avaient vu que finalement, ces conjectures avaient une bonne tête, en ce sens que la simulation les confirmait. Mais évidemment, on est loin d'une preuve mathématique rigoureuse. Alors, un premier succès a été obtenu par le probabiliste américain Harry Kesten, qui a montré que pour le réseau triangulaire, la probabilité critique, c'est exactement 1/2. Et pour vous dire où on en est, pour le réseau carré, qui a priori aurait l'air plus simple, et bien on ne connaît pas la valeur exacte de la probabilité critique. On a juste une estimation, mais on ne connaît pas la valeur exacte. Bon. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles Smirnov s'est concentré sur les réseaux triangulaires, c'est que là, au moins, il y avait de bonnes bases théoriques. Et, à nouveau, sur des considérations heuristiques confirmées par la simulation, les physiciens avaient conjecturé que pour le réseau triangulaire, vous voyez, on a cette probabilité que 0 soit dans un cluster infini. Donc, quand on tend vers la probabilité critique par valeur supérieure, cette probabilité doit tendre vers 0. Alors, question, comment est-ce que cette probabilité tend vers 0? Les physiciens avaient conjecturé qu'elle tend vers 0 comme b moins 1/2 à la puissance 56e. Et c'était confirmé par les simulations numériques. Et autre chose, maintenant, si vous, donc ça c'est pour les régimes surcritiques. Maintenant, si vous vous intéressez aux régimes sous-critiques, donc là où il n'y a pas de cluster infini, ben vous pouvez demander. Une question naturelle, c'est ben, quelle est la taille moyenne d'un cluster fini, hein, vous savez qu'ils sont tous finis, et ben, donc vous voulez compter le nombre de points. Et quand on tend par en dessous vers 1/2, ça doit exploser, puisqu'on sait qu'après les clusters deviennent infinis. Donc comment est-ce que ça tend vers l'infini? Donc, je vais peut-être retirer le curseur, voilà. Mais, donc, les physiciens avaient conjecturé que ça tend vers l'infini comme p moins 1/2 à la puissance moins 43/18. À nouveau confirmé par la simulation numérique. Et puis depuis 2001, ça sont des théorèmes de Smirnov. Je ne vais pas en dire plus. Donc maintenant c'est démontré. Alors le dernier, Cédric Villani, pur produit de l'école mathématique française, normalien. Donc né en 73, 73, très à Périgophine en 98. Et qui est professeur à l'École normale supérieure de Lyon, directeur de l'Institut Henri Poincaré à Paris. Et donc, citation, pour cette démonstration de l'abortissement non linéaire de Landau et la convergence vers l'équilibre, la convergence à l'équilibre pour l'équation de Boltzmann. Bon. Alors, il se fait que dès le 20 août, la Tribune de Lyon a publié une interview de Villani. Qui est, je crois, instructible, et donc je passe quelques extraits. Donc, parce que c'est toujours intéressant d'entendre un grand bonhomme parler lui-même de ses travaux. Donc, d'autant plus qu'on a l'impression que ça concerne le monde réel, hein, puisqu'on parle de cinétique, de transport optimal. Donc voilà ce que dit Villani, mais sans entrer dans les détails, la théorie cinétique des gaz étudie leur façon d'évoluer, sachant que dans un gaz, il y a des milliers de particules. Alors j'aime beaucoup la comparaison qui suit. La théorie cinétique est comparable à un sondage politique. Combien de particules vont à droite, combien vont à gauche, même si évidemment le nombre de directions est autrement plus grand. Pour ce qui est du transport optimal, mais imaginez sur un territoire un millier de voitures et un millier de places de parc. Le but du jeu étant de les garer sans consommer trop d'essence. Alors bon, évidemment, il y a le commentaire qui dit que la pratique est évidemment plus abstraite. Bon, question du journaliste. La médaille Fields récompense nos travaux sur l'amortissement de Landau et l'équation de Boltzmann. Oui. Alors bon, donc l'amortissement de Landau est un phénomène décrit depuis les années 40. Et si vous vous souvenez, si vous avez des cours de thermodynamique, si vous en souvenez un petit peu, on vous a appris en thermodynamique qu'il y a une quantité importante qui s'appelle l'entropie. Et qu'une des lois de la thermodynamique, c'est qu'en principe, un phénomène physique va vers un état désordonné, donc son entropie augmente.
Et là-dedans, en étudiant les comportements quantiques de plasma, c'est-à-dire de gaz ionisé, avait suggéré dans les années 40 qu'un gaz ionisé pouvait revenir vers un état d'équilibre sans augmentation d'entropie. C'est-à-dire plus ou moins, enfin, pas en vraie contradiction avec la thermodynamique, mais c'était quand même très très étonnant, le fait que l'entropie ne l'augmente pas. Et comme dit Villani, c'est un phénomène qui a fait couler beaucoup d'encre chez les physiciens. Et donc ce qu'il a fait, c'est donner une base théorique à cette suggestion de lambda. Donc, je veux dire, le problème physique n'est sans doute pas résolu, mais au moins, ça montre que ce phénomène est possible, puisque la théorie, disons, le prévoit. Et bon, la conclusion, c'est mon boulot, c'est de comprendre les équations et comprendre les phénomènes. Alors, bon, il s'est fait que Villani est aussi devenu célèbre pour ses travaux en transport optimal. Alors ça, c'est quelque chose dont j'aime bien parler parce que ça remonte à Gaspard Monge, qui est connu pour autre chose, mais aussi connu pour la géométrie descriptive. Mais Monge était avant tout un ingénieur, et donc dans un mémoire de 1781 sur la théorie de Desplein et de Remblai. Voilà le personnage. Et il formule le problème du transport optimal, il le formule comme un ingénieur. Donc, on extrait des matériaux, par exemple, d'une mine, on veut les utiliser pour un certain ouvrage. Alors, voilà, je me permets de citer Monge dans le texte. Lorsqu'on doit transporter des terres d'un lieu dans un autre, on a coutume de donner le nom de déblai au volume des terres qu'on doit transporter, le nom de remblai à l'espace qu'elles doivent occuper après le transport. Le prix du transport d'une molécule étant, toute chose d'ailleurs égale, proportionnel à son poids et à l'espace qu'on lui fait parcourir, par conséquent, le prix du transport total devra être proportionnel à la somme des produits des molécules multipliées chacune par l'espace parcouru. Il s'ensuit que le déblai et le remblai étant donné de figure et de position, il n'est pas indifférent que telle molécule du déblai soit transportée dans tel ou tel autre endroit du remblai, mais qu'il y a une certaine distribution à faire des molécules du premier dans le second, d'après laquelle la somme de ces produits sera la moindre possible et le prix du transport total sera un minimum. C'est la solution de cette question que je propose de donner ici. Bon. Alors, essayons de comprendre ce que je fais là. Donc, il a des marchandises à transporter au moindre coût. Donc, il y a à savoir une distribution de masse initiale, qui est des marchandises à transporter, et une distribution de masse finale, qui est ce qu'on veut faire avec les marchandises transportées et l'endroit où on veut les mettre. Et bien sûr, il y a conservation de la masse, donc la masse totale et la masse initiale doivent être les mêmes. Et puis, il y a une fonction de coût. Donc, Monge suggère que le prix du transport est proportionnel à la distance qu'on fait parcourir, ce qui a l'air raisonnable. Ce n'est pas absolument le seul choix possible, mais disons que c'est tout à fait raisonnable dans une première approche. Donc, cette fonction de coût, elle dépend de variables, du point de départ, du point d'arrivée. Donc, on a noté une fonction de variable, c'est xy. Et donc, si on a un grain de matière en x de masse m, ce que ça va coûter de le transporter, alors, ce sera la masse m par la fonction de coût. Donc, comme je disais, il prend c de x, y comme la distance entre deux points. Et avec le recul, on peut remarquer que c'est un bon choix, mais ce n'est pas le seul choix possible. Pour des raisons analytiques, par exemple, vous savez que la variance est plus facile à calculer que l'écart quadratique moyen. On pourrait aussi prendre le carré de la distance. C'est plus facile à dériver que la distance tout court. Mais donc, ce que dit Monge dans son texte, bon, donc ici vous avez des blèmes, il y a une certaine transformation, avec la masse initiale, va faire la masse totale, mais ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas indifférent d'envoyer un petit bout de matière à cet endroit-là ou à cet endroit-là. C'est-à-dire que si vous l'envoyez à cet endroit-là, ça va vous coûter moins cher, parce que vous êtes plus proche, que de l'envoyer à cet endroit-là. Donc, l'inconnu dans son problème, c'est
avec les Tchèques, nous formalisons facilement, mais qui n'était pas du tout évident à formaliser au XVIIIe, en fait, c'est une transformation. C'est une transformation Y et un TX, qu'on appelle maintenant l'application de transport, et qui nous dit, la masse qui se trouve en X, il faut l'envoyer en Y. Mais avec la contrainte, qui est que le coût total, c'est-à-dire la somme sur tous les emplacements X, des masses fois la fonction de coût, doit être minimal. Bon, alors, si vous êtes passé par un cours de mécanique ou un cours de physique, vous savez que dans ce problème des ondes continues, on remplace tout de suite les sommes par les intégrales, hein, puisqu'on considère que en X, c'est une quantité infinitésimale de masse, sur notre début de X. Donc si on écrit la formule en termes d'intégrale, ben on voit que le coût total, c'est l'intégrale prise sur l'ensemble des dégrés de la fonction coût, et donc fois la mesure de début de l'ensemble des dégrés, qui représente la distribution de masse initiale. Avec une certaine contrainte de transport, qui est le fait que les masses initiales correspondent aux masses finales, ce qui en termes de théorie de la mesure dit que quand on pousse en avant la mesure mu par la transformation, on obtient la mesure finale. Et bon, je dis qu'il va résoudre le problème, mais en fait il ne le résout pas. Et rétrospectivement, on peut très bien voir pourquoi. C'est parce que c'est un problème non linéaire sur un espace de dimension infinie. Donc, avec les maths du XVIIIe siècle, il n'était certainement pas armé pour le faire. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans son mémoire, il y a des solutions particulières, il y a certains algorithmes de calcul, il y a le lien avec des découvertes géométriques récentes au XVIIIe siècle, donc les lignes de courbure, les surfaces convexes, mais il n'y a pas de solution générale. Et d'ailleurs, ses contemporains s'en sont rendus compte, puisque ils ont dit, mais tiens, mais c'est un problème intéressant, celui posé par Monge, Monge ne le résout pas, on va en faire un prix de l'Académie des sciences. Et donc, comme je disais, la difficulté, c'est que on a un problème d'optimisation non linéaire sur un espace fonctionnel de dimension infinie. Donc, c'est clair qu'il fallait des maths du XXe siècle pour donner un sens et pour progresser là-dessus. Donc, en fait, l'existence d'une solution n'a été démontrée qu'à la fin du XXe siècle. Et quant à la construction explicite des solutions, par exemple sur ordinateur, ben, c'est pas encore complètement résolu. Mais donc, il s'est fait. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que Villani et ses collaborateurs ont mis en place certains des problèmes qui ont permis de faire des progrès essentiels sur le problème de transport optimal de Monge. Certaines techniques, je veux dire. Et bon, le temps je m'arrête. Donc, j'ai simplement cité le journaliste du Monde, Hervé Morin, qui, dans son éditorial du 20 août consacré aux analyses françaises, dit la chose suivante. Donc, à 36 ans, Cédric Villani sait qu'il devient un ambassadeur des maths, semble prêt à l'assumer. Elles ne sont pas que l'éditeur, elles ne sont pas qu'un outil de sélection, mais aussi une méthode pour manier les concepts et former l'esprit critique, commentaire du journaliste, un instrument de citoyenneté. Je pense que c'est une bonne conclusion. Je vous remercie.
Vous avez café, c'est ça?